Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light. On est avec Katox, et Katox. Salut. Et là, est-ce que je peux te soigner? Parce que t'as l'air un peu blessé. Non, je peux pas te soigner, t'es pas assez blessé pour que je te soigne. Ah, ça me blesse un peu plus. Hein. Et du coup, on reprend notre petite aventure. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Ça va être intéressant. Donc voilà, il va falloir qu'on se remette dedans comme d'hab. Hein. Donc ouais, du coup, désolé, hein, malheureusement, en ce moment-là, c'est vraiment la teuf, nos deux plannings. Il y a juste pas moyen. Donc on va essayer de se faire la quête principale, puisque de toute façon, c'est la seule qui nous reste. Voilà, on va éviter Katox et son lance-flamme. Hein. Oh, ils sont rappelés. Je t'ai absolument pas vu venir. Ouais, c'est où qu'on doit aller? Bah j'ai activé la quête, donc c'est le petit point de quête, si tu veux. Lena, listen good while this damn thing works. I know what's going on. They have something 100 times better than Antizin. The good news, they'll share it with me. The bad news, I need to find it. Now I know the clock's ticking, but I can't let go of this yet. It's the best chance for all of us. Mais comment t'as une impression d'urgence et puis en fait entre deux t'as été aidé de Ruskov qui t'ont fait une grenade. Une grenade qui fait voler les autres. Exactement. Voilà. Extrêmement important. En plus on a déjà eu cette discussion je crois. Le jeu il a fait ça fait tellement longtemps les gars je remets en place. Et qu'est-ce que tu fais? Attends, je... Voilà, le coup de coude, c'est quand même quoi. C'est ouf ça. Allez, faut choisir le pont là. Ah, il y a un petit destructeur, je suis désolé les gars, je passe. Je vais vous aider, hop. Voilà, vous êtes là. Pourquoi il y a un bip bip là? J'aime pas quand il y a des bip bip comme ça. Ah, c'est parce qu'il y a une caisse à trouver. Là. Oui, ça, j'ai une caisse. Ah! Je me rappelle pas, c'était les trucs où il fallait suivre le bibi. Qui c'est qui a pété là? Ah putain, il y a un machin qui me crache dessus d'en bas quoi. Putain, il se planque en plus. D'accord, c'est comme ça. Non mais. Ah la vache, entre le machin qui te crache dessus d'en bas en mode mortier là et les saloperies qui courent parce qu'il y a des gens qui font péter des trucs. J'arrive. Tu seras bien urbain. Alors fais gaffe, il y a une saloperie en bas qui crache là. Enfin en tout cas aux dernières nouvelles il y en avait une. Elle a peut-être disparu depuis. Non. Putain mais ils sont combien? Ça suffit un peu là. Aouh, je suis bouché. T'as fait non pas. Vite, allez. Putain. C'est ouf là. Combien ils sont? Pourquoi ils arrivent en masse comme ça là? Bordel. On a rien fait pourtant. Du coup à la base on cherchait une caisse. Exactement. Mais pas du tout celle-là. Allez, on va ouvrir la caisse sur le cadavre. Hop. Salut cadavre. Non mais c'est bon, récupération. Ah, ça fait tellement longtemps qu'il nous met vraiment une normale tutoriel là. C'est clair quoi. Au fait, vous pouvez réparer votre voiture. Oui. Pour avancer, appuyez sur Z. J'imagine l'enfer quoi. Ah, ce crochetage là il veut pas. Alors on va se mettre par ici, par là, non, ah là je l'ai. Ok. Voilà,
des petites pièces, un peu de carburant, non, même pas. Appelez-moi la tondeuse à zonzon. C'est vrai, t'as raison, on avait le beeper là, c'est ça qui fait qu'il y a une caisse là. Ouais, le tunnel a l'air. Je suis rentré dedans, j'ai plus entendu. Ah ouais? Ouais, ouais, ça s'est accéléré un peu par là. Putain! Pas moi. Ah, par ici. Ouais, bah en fait, je me demande si c'est pas sur le petit pin. Zone. Et là. Ouais, je sais, j'ouvre le truc, je regarde même pas si c'est safe, rien à foutre. Allez, 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 allez. Hop là. Ah, une mitraillette, enfin, on va pouvoir changer un petit peu d'arme de poing. Ouais, turbo militaire. Bon, il va me falloir des kits de soins par contre. Ok, bah, parfait, voilà. Après, t'as vu la taille du kit, t'en prends, tu prends tout ça, t'en as un. Ouais, ouais, le kit de soins militaire qui t'en donne un. On est d'accord, ça reste la tristesse. Putain, ils sont tout vides là, les buggy, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pas de carburant dans ce bordel. Bon, bah, faut retourner chercher les voitures. Ouais, bon, on en est là. Hein, comme disait Lina, y a une urgence et tout, faut pas traîner. Ne traîne pas, ne t'en fais pas, j'arrive. Ah, une boîte. C'est ça. Ça bip, attends, excuse-moi. Je t'entends mal. Y'a quelque chose qui bip. Attends, si tu veux du carburant, on est sur une station essence. Ah ouais, je sais. Ouais. Voilà. Bah, tu veux crocheter le camion de police? Non, faut que je le fasse. Je regarde, je lui tirerai son essence. Moi je suis au-delà de toutes ces considérations. On doit pas avoir les mêmes considérations. En même temps, c'est toujours super chiant à ouvrir et il y a jamais rien de très intéressant dedans. Ah, une épée bâtarde, remarque, c'est pas mal. On peut pas cracher le camion. Le camion de police un petit peu overkill. Ah mais j'ai pas du tout laissé ma voiture là en fait, c'est la tienne. Ouais, c'est la mienne. La bonne nouvelle c'est que la nuit va tomber. Allez, roule. Ah, ça se remet à biper quoi. L'enfer. Par là. Il paraît que c'est par là. Ça me paraît bizarre. Où est la carte? Non, c'est pas ça. Ok, faut quand même qu'on suive un petit peu la route. Enfin, en tout cas. Là. J'ai trouvé la boîte. Là, je suis pas loin du tout. Ça fait blip 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 blip. Ouais, moi j'avoue que je l'ai mise de côté, j'ai absolument pas su. Ah, elle doit être en haut, ouais, à tous les coups. T'es tombé? Ouais, mais ça va. Ah putain, les barbelés. Bah oui, ça.
Il y a un côté où les barbelés... Ah mais attends. Ah mais on peut même pas faire le tour en plus. On est coincé, juste coincé quoi. Pas sûr, je t'ai supposé arriver là. Ils sont tout autour les barbelés, comment t'as fait pour passer? Le grappin. Ah ouais, le grappin. Genre t'as sauté et puis... Et du coup, il y avait effectivement une caisse. Quoi? Il y avait effectivement une caisse? Bah, j'ai pas eu l'occasion vu que le grappin, j'arrive pas à le placer où il faut. Ah ouais. Ouais, elle est au-dessus quoi. Bah, je suppose. Ah, on peut grimper ici. Mais alors, à quoi ça nous avance? Là, il y a un petit truc là. Mais je peux pas y aller. Je peux avancer. Putain. C'est tendu. Ah yes. T'as réussi? Bah j'ai ça mais je suis... Ah ouais c'était bien ça. Je l'ai eu. Avec le grappin. Et on a oui, un origami 101. Attends, faut que j'arrive à grimper moi. Non. Aïe. Bon, bah moi j'ai chu. Si jamais tu passes par là. Et où? Je suis tout en bas, facile, à côté des voitures. Je cherche le côté où il y avait le... Il me reste 10 secondes. Merci. Alors du coup t'as fait comment? Bah j'étais là et puis j'ai grappiné sur le milieu du tonneau. Et il a réussi à s'accrocher, ce qui n'est pas le cas maintenant. Ouais, voilà, faut réussir à choper le truc, on est d'accord. Ouais. C'est tendu du string quand même hein. Oh si peu. On va pas se mentir. Ok, moi j'arrive à aller jusque là. C'est un destructeur ça non? Ah ouais, y'en a un là-bas qui nous balance des cailloux là. Ah! Putain, il m'a balancé un caillou invisible. J'ai pas vu de caillou arriver, mais visiblement y'a quelque chose qui m'a repoussé. Putain. Wow. Sérieux quoi, c'est abusé. Attends, faut que je teste ce que ça donne ce petit peu. Vas-y là, je veux mon truc. Fumier. Ah mais putain, mais il est de nouveau là pour me balancer son caillou. Mon grappin est tout mort. Grappin. Ah non, il lance les cailloux sur toi. Tout va bien. Ok, j'ai réussi, putain. Ah, il y a un petit drapeau. Origami 101. Et puis tu lances un avion en papier. Pour moi, il tourne au-dessus de ma tête pour l'instant. Mais... Je sais pas du tout ce que ça fait. Alors là... C'est un des objets des Ruskov Fou, donc je pense qu'il faut pas s'attendre à un... C'est dans les développeurs. Ça commence à bien faire les conneries hein. Bon, ce serait peut-être pas mal qu'on trouve le truc avant la nuit par contre, tu crois pas? Oui, je pense que ce serait d'une des quatre intentions. Allez hop. Go. On était pas loin en plus là. On peut juste reprendre la petite route là, grimper. Ça pour un origami. Par ici. Alors, où est-ce qu'on va? Ouais, on peut rentrer en voiture dans la grotte. Ah ouais, une lumière de... Ah, je sais pas, non. Elle.
Merde. C'était, c'est bon. Ah ouais. Ah, on va aller un peu plus vite. Ah. Arrête ta voiture demi-tour. Ok, alors c'est parti. La nitro. Ah putain. Je l'ai pas voulu, mais je suis heureux quand même. Ah putain, j'ai eu 5, ouais. Abusé. Ah non, pas assez d'élan. Putain. Bon. Non, c'est pas ça. Je vais réinitialiser la position. Voilà. Mais en fait, j'ai plus de moteur. Ça c'est quoi ça? Pièce de turbo, bah voilà. Mets-nous une comme ça, ça sera très bien. Voilà, c'est mieux. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ça continue longtemps? Non. Ah oui. Calme-toi. Écoute, c'est pas de ma faute. Bah, tiens, on connaît ça. Je peux fouiller les corps. That's one of them. Holy fuck, Rises men. Ah oui, alors. The second one's dead too, no surprise there. Chose me dit qu'il va falloir un peu plus lourd que. Mhm. Impact. Des mecs de Raïs et. Goods are undamaged. All right, then where are they? Une note là. Are you there? I'm at the cave you mentioned, and I found two of your brothers dead. I also heard a distress call. It mentioned some goods that aren't here. Listen, be on the lookout for orange uniforms, or a symbol, three horizontal stripes. Excuse me? The bandits in here, these are Rise's thugs. They're worse than the undead. What happened in Haran, that's mostly their fault. Oh, I see. Thank you, Kyle. I'm sure that didn't... Comme ça. Oh. Ah bon? Je t'es vois. Au courant. Merci. Oh là là. Comme ça on sait qu'on va devoir t'éliminer. Mais ah putain, il y a des... Il y a un... Il y a une saloperie. Il y a plein de saloperies. Oh les mais... Attends, il y a peut-être moyen de... Mais non. Regarde, il m'a même pas détecté ce naze. Tu l'as pas touché. Viens d'où toi? Sérieux? Aïe! Wow! Celui-là. Je recharge. Pareil. Bouge pas, je te soigne. Putain. C'est bon. Merci. J'ai trouvé un cosmétique premium sur le premier. Moi j'ai trouvé un petit peu de sous. Bon, on va recharger tout. J'ai l'impression que j'avais pas d'armes équipées en deux par contre. Ça m'emmerde un peu. Ah si. C'était équipé, mais ça voulait juste pas venir. Du coup, on a juste une quête quoi.
charge. Je le tiens à distance. Bon. Je recharge. Putain, mais... Bon, on est un petit peu loin pour du fusil à pompe, ok, mais quand même quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah putain, il y en a derrière. Ah, il y en a devant aussi. Attends, peut-être dans la brume là. Aïe, non. Peut-être dans la brume. Ah putain. Bon, bah. C'est la fin. C'était bien tenté. Il y a eu une tentative de quelque chose. Puis voilà. Bah, de toute façon, hein, dans la grotte de nuit, voilà quoi. Normalement, dans la grotte de nuit, il y a ça qui a moins de gens. On va apparaître dans un vieux affût pourri, non? Ouais. Bon, on charge. C'est con, il y avait plein de munitions en plus, mais on a même pas pu les reprendre. Évidemment, la perpète de la zone sécurisée, c'est la plus proche. Ah non, ça va. Alors, je vais refaire quelques kits de soins par contre. Toc toc. Kit de soins, c'est là. Entre, j'espère vraiment qu'ils vont mettre le craft par dizaine, tu vois. Ah ouais, ouais, non, j'avoue, ça c'est vraiment. 270 mètres là, le truc le plus proche, c'est ça? Ouais. We've lost contact with someone working on a specific task for the mother. Ah bah une petite quête, ça serait cool. Parce qu'on a plus trop là. Help out if necessary, right? Yes, please. The mother would very much like this man to finish what he started. Okay, who is it? His name is Attila. He's an ethnographer working in the mother's mansion. It's that big residence at the top. Un ethnographe. La demeure de la mère. Le vieil homme et la mère. Parfait. Ah. Trouver l'entrée de la villa. Bon, c'est juste à l'autre bout de la map. On va pas aller là-bas. Bon. On va essayer de survivre à la nuit déjà, hein, je propose. Bah, il est il a disparu ton marqueur. Non, ah non, toujours là. C'est juste. Tu descends, mec. Tu fais quoi? Qu'est-ce que merci. Cours. Oula, qu'est-ce que tu fous? Putain! Oh là là, jeu! C'est pas possible. Faut pas. Ah non, mais des fois le grappin, c'est cool. Ne fais pas le. Ne fais pas le tour de l'autre côté, il y en a juste un. Bah pour l'instant, j'arrive même pas à grimper, donc voilà. Ça y est. Ah, il y en a un là. Ils sont pas très très nombreux là pour l'instant. Regardez, il a failli me voir, mais non, ça va. Il y en a deux, un juste devant. On s'est un peu essoufflé. On respire. Ah putain, il y en a un à droite. Tu sais, à droite de toi. Attends, d'accord. Encore. Ah putain, la chute quoi en plus. Je vois la lumière bleue. Y'en a un autre entre toi et moi quoi. Ah putain, y'en a plein. Oh. Ils sont partout. Non. Oh la tatane. Cours. Ah, je me suis fait mettre down en deux coups. Ah. Ouais, pareil. Bon, on va espérer qu'on s'est assez rapproché au moins. On va avancer de respawn en respawn. C'est ça. La solution, bon, après... solution c'est rouler le plus vite possible. Oui, mais quand on a une voiture. Oh, parfait. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, comme on dit, hein, techniquement. Ah, j'ai gagné un niveau de légende, tiens. Ça fait quoi? Ah, je peux prendre un point. Arme à une main. Je peux prendre une arme à une main. Allez, hop.
Le problème, en fait, c'est qu'on n'est pas très opti. Hein. On aurait pu équiper la lampe UV, retrouver la touche pour éclairer derrière nous, les ralentir, etc. en pendant qu'on court, mais... Oui, ou courir. Je crois que c'est pas trop notre truc. It's good to see a new face instead of all my usual customers. Ça fait bien de voir un nouveau visage pour une fois, ouais, ben, voir deux fois. Alors, on a quoi? Des grenades de Hall Rodeur, l'épée bâtarde unique. Ça fait combien de dégâts? C'est nul. But at least not in much pain. This has just been one of the bad days. Ok. Il y a encore des gens qui meurent de pas. Ah, il est où le truc pour dormir, ouais, j'avoue. Ça ne t'enlève pas la pneumonie. Hein. Il a l'air d'être à l'étage. Ah ouais, il y a un truc pour grimper. Hein. Putain, le relou. Ok, c'est là. Il est où le truc pour grimper? Attends, dans la pièce du marchand. Voyage instantané, voilà. Easy peasy. Allez, bien. Easy Vous peasy. Avez survécu. Alors, les voitures, on peut les faire réapparaître? Ah putain, on peut peut-être même pas faire réapparaître nos voitures ici. Ah mais si elle est apparue la tienne. T'as trouvé un truc? Non. Je sais pas comment on sort de cette maison. Ah, y'a un là. Véhicule de rappel, il est là. Hop là. Non, c'est pas par là, c'est pas par là. C'est peut-être par l'étage, ouais, c'est par l'étage. Il y a un trou dans le toit. Alors du coup, le vieil homme et la mère. On a dit, c'est complètement à l'autre bout de la map. Bon. Ah ouais, d'accord, c'est... Oui, oh, oui, oui. À l'autre bout de la map. Ah. Je te suis. Attends. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Oui, ça devrait être bon. Tiens, bah d'ailleurs, peut-être qu'avant d'y aller, on va arrêter l'épisode et puis on va faire un nouvel épisode. Oh, du coup, bonne idée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.